C'est une table francophone, but I will present the table in English, so it's just a brief presentation. This is the first table of this seminar. And we start today with Thomas Fressin. Thomas Fressin is a PhD candidate in modern history at the University of Côte d'Azur in Nice, here in France. He will present his work called Les Compagnies des Nobles Jeux, de l'Arc, de l'Arbalète et de l'Arquebuse, des sociétés urbaines initiatiques, fraternelles et privilégiées. Thomas. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, je voudrais bien évidemment remercier les organisateurs de m'avoir permis de pouvoir intervenir aujourd'hui pour présenter effectivement cette communication. Donc je suis effectivement doctorant en histoire moderne à l'Université de Nice. Alors pour aller dans la continuité de la conférence inaugurale que nous avons eue ce matin, où il a été dit qu'effectivement il fallait arriver à continuer à travailler de façon active sur l'ensemble des sociabilités urbaines, de toutes les sociétés fraternelles qui existaient à l'époque moderne, ben, c'est tout à fait le cœur du sujet ce matin avec ma présentation, où je vais effectivement vous parler des Compagnies des Nobles Jeux, de l'Arc, de l'Arbalète et de l'Arquebuse. Donc c'est une communication qui s'inscrit dans une thèse que j'espère soutenir si tout va bien d'ici le premier semestre 2020. Alors, cette thèse, donc en co-direction avec Pierre-Yves Beaurepaire et Hervé Drévillon, s'intéresse à une forme de sociabilité méconnue, ces fameuses compagnies des nobles jeux de l'arc, de l'arbalète et de l'arquebuse. Ce qui est assez troublant, c'est que ces sociétés fraternelles étaient extrêmement présentes à l'époque moderne, mais très très peu étudiées. À ce jour, l'ouvrage majeur qu'il y a eu sur le sujet, enfin, il n'y en a eu qu'un seul, c'est celui de Pierre-Yves Beaurepaire, donc mon directeur de thèse. Il y a eu également quelques articles qui sont sortis, notamment de Christine Delamarre, d'Olivia Carpi, Jean-Dominique Deluge, qui était lui sur une autre période et un autre territoire, à savoir l'Allemagne et pendant l'époque médiévale. Mais voilà, en gros, il n'y a pas eu beaucoup de communication sur ce genre de société. Et je vais essayer de vous présenter tout ça aujourd'hui. Alors pour moi, bien sûr, c'est un sujet passionnant car il touche à plusieurs types d'histoires, à la fois l'histoire urbaine, l'histoire des jeux, l'histoire des sports, l'histoire des sociabilités et l'histoire militaire des villes. Donc je vais essayer de vous faire un panorama de tout ça. Alors pour les historiens, ceux qui sont dans la salle, c'est un sujet qui est assez complexe, parce que vous voyez, c'est à cheval sur plein d'histoires différentes. Donc dans les archives, dans la bibliothèque, j'ai eu d'énormes difficultés à arriver à cibler les fonds qui parlaient, parce que des fois, je retrouve ça dans le folklore local, des fois dans les affaires militaires de la ville, etc. etc. C'est toujours assez compliqué. Alors aujourd'hui, je voudrais axer ma communication sur, parce que c'est parfaitement lieu, sur effectivement cette notion de société initiatique. Mais avant de vous parler de tout ça, alors attendez, hop. Hop, voilà. Alors, je vais vous faire un petit contexte introductif pour vous remettre dans le bain de l'époque moderne, en tout cas par rapport à ce qui m'intéresse sur ma communication. Je vous présenterai ensuite un exemple concret, à savoir comment ça se passait à Lyon. Et enfin, je vous montrerai ce qui était fait d'un point de vue initiatique dans ces sociétés-là. Alors, pour commencer, donc, qu'est-ce qu'étaient ces fameuses compagnies des chevaliers des nobles jeux de l'arc, de l'arbalète et de l'arquebuse? Alors, je fais une petite timeline. On va la commencer sur le 12e, 13e siècle, en gros, dès la naissance des villes. Naissance des villes, création des murailles, tout de suite, pour se protéger, et mise en place de ce qu'on appelle la milice urbaine. Donc, les bourgeois, les habitants du bourg, s'arment eux-mêmes et constituent des milices urbaines pour défendre la ville. Donc ces milices étaient non rémunérées, non privilégiées, c'était les bourgeois qui la tenaient, et il y avait une organisation par quartier, mais je vais m'arrêter là sur ce genre de précision. Dans le cas de Lyon, pour revenir à ce que je vais dire tout à l'heure, donc, à savoir il y avait 28 quartiers dans la ville de Lyon. Alors, ensuite, sur des décisions particulières, certains bourgeois décidaient de s'assembler entre eux et créaient des confréries de tir. Donc ça c'est un premier point, donc c'est un peu plus tardif, 13e, 15e siècle. Ensuite, les bourgeois, donc, qui avaient une activité économique bien souvent, hein, commençaient un petit peu à en avoir marre, je vais vulgariser comme ça, de tenir des postes sur les enceintes de la ville assez régulièrement. Voilà. Donc ce qu'ils décident, c'est de constituer au sein des villes des gardes. Donc là, cette fois-ci, ce sont des gens rémunérés
qui vont défendre la ville. Alors, point particulier, et c'est un point que n'ont pas vu les érudits lors du 19e et 20e siècle, ils ont fait d'énormes confusions. En fait, ces gardes de la ville étaient toujours appelés les archers de la ville, les arbalétriers de la ville et les arquebusiers de la ville. Et il faut savoir que ces trois expressions n'ont absolument rien à voir avec ce que je vais vous présenter, qui sont les chevaliers de l'arc, les chevaliers de l'arbalète et les chevaliers de l'arquebuse. Voilà, donc ça a été, il y a une vraie, véritable polysémie, et donc j'insiste bien là-dessus. Les confréries de tir vont se muter, vont muter, et au XVIe, XVIIe siècle, elles vont se transformer en compagnie, voilà, avec le terme de chevalerie qui apparaît au début, au XVIe siècle, on pourra y revenir tout à l'heure. Alors ces compagnies, juste pour information, ont duré jusqu'à la Révolution, jusqu'au 20 juin 1790, où une loi instaure la fin des privilèges pour ces compagnies. Donc il y a eu véritablement une loi dédiée pour ces compagnies-là. Toutes les compagnies ont fusionné dans la garde nationale. À l'issue, un peu plus tard, à partir du Premier Empire, les compagnies renaissent sous une nouvelle forme. Et c'est ce qui a donné lieu à la fédération qu'on connaît aujourd'hui de tir à l'arc, etc. Mais je ne rentre pas trop dans les détails, mais le noble jeu perdure toujours aujourd'hui. Donc, à une question que j'aime bien poser des fois à certains francs-maçons, est-ce que la franc-maçonnerie est la seule société initiatique existante aujourd'hui en France ? La réponse est non. Cette forme de sociabilité existe toujours et on pourra y revenir tout à l'heure. Alors, dans le cadre de mon travail doctoral, je me suis amusé à regarder un petit peu, j'ai fait un recensement. Dès que je voyais dans un ouvrage, dans une source manuscrite, etc., une référence à une compagnie, je l'enregistre parce que je suis très fanat des humanités numériques, ce qui me permet de donner derrière un petit peu de cartographie. Donc là, on voit, c'est l'arrivée au XIVe siècle, le recensement que j'ai pu effectuer, la première apparition dans une ville au XIVe siècle de ces compagnies-là. Donc vous regardez, on est surtout sur le nord de la France. Ensuite, pour le XVe siècle, on diffuse. XVIe siècle, XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Alors là, on le voit, j'ai recensé plus de 472 compagnies, donc dans 472 villes différentes. Donc on voit que c'était quand même des compagnies qui étaient très présentes sur le territoire. Et c'est assez intéressant, vous voyez, il y a une frontière est très marquée qui, en fait, est très clairement liée aux problématiques militaires qu'on avait sur le front est à l'époque moderne. Mais bon, je ne rentre pas plus dans les détails, mais c'est pour vous donner quelques pistes là-dessus. Alors, quels étaient les différents types de caractères et origines également des sociabilités que j'étudie ? Alors, tout d'abord, c'est très clairement lié aux confréries, d'où le Saint-Sébastien que je mets ici. Les confréries de Saint-Sébastien, très clairement, étaient très liées avec les archers. Ensuite, l'iconographie du milieu, pour représenter une forme de sociabilité très peu étudiée également, qui sont les royautés ou rainages. Alors, qu'est-ce qu'une royauté ou rainage ? C'était une forme de cour royale temporaire qu'on installait dans la ville, où en gros, on mettait généralement soit en jeu, soit aux enchères pécuniers, différents titres, donc roi, reine, empereur, évêque, magistrat, etc. etc. Il y a certains rainages qui vendaient plus de 80 titres, et pendant une journée, ils portaient ces titres avec des habillements, ils s'amusaient. C'était un jour de fête. Et les fonds récoltés, la plupart du temps, permettaient de payer la cire pour la confrérie qui était liée. Et enfin, troisième iconographie pour vous montrer que c'était une société de... Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des sociétés de la basoche, donc des sociétés de jeunesse qui étaient extrêmement nombreuses à cette époque-là, à l'époque moderne encore. Ah, zut. Alors, autre point très, très marqué, le caractère militaire et chevaleresque. Là, vous avez une iconographie de Soissons. Alors, ils étaient extrêmement attachés, mes chevaliers que j'étudie, à tous ces traits militaires. Donc, ils aimaient bien porter sur leur parure des attributs d'officiers supérieurs, donc des aiguillettes, des épaulettes, l'aigrette. On va pouvoir retrouver ce genre d'attributs dans les hauts grades maçonniques par ailleurs. Et donc, ils s'y intéressaient énormément, à tel point que le roi, à un moment donné, a dû mettre du poing sur la table pour dire on arrête tout, ce qui a posé des gros troubles en interne au sein des chevaliers que j'étudie. Alors, ils s'intéressaient bien sûr à l'ensemble des valeurs militaires, le courage, le patriotisme urbain et royal, la dextérité au tir, l'honneur et la courtoisie étaient autant de valeurs qui les intéressaient. Ils s'intéressaient bien évidemment à des exercices militaires, j'y reviendrai tout à l'heure. Et voilà. Par contre, ce qu'on peut dire, très clairement, c'est ce que je montre aussi dans ma thèse, ce n'était absolument pas, enfin, il se paraît d'attributs militaires, mais ce n'était pas des grands militaires dans l'âme. Je ne les ai jamais retrouvés, malgré ce qu'ils disent eux-mêmes, sur leurs origines prétendues. De mon point de vue, d'après l'état de mes recherches, ils ne sont jamais allés en haut des murailles. Les seules choses qu'ils faisaient, je vais faire un anachronisme, c'était une sorte de garde républicaine locale au sein de la ville pour faire des missions d'honneur et de sécurité.
Alors, autre lien également là-dessus. Hop. Le caractère de la réussite. Alors, pourquoi rentrer dans ce genre de compagnie de chevaliers ? C'est que, j'y reviendrai tout à l'heure, lorsque vous devenez... Enfin, il y a un tir annuel où on met un oiseau en haut d'une perche et le premier qui arrive à battre l'oiseau devient roi de la compagnie. Et celui qui est roi est exempté pendant une année de toute la fiscalité urbaine. Donc, vous voyez l'intérêt qu'il pouvait y porter. Donc, c'était vraiment une société de privilégiés où les marques de hiérarchie, de préséance, comme on peut le retrouver par ailleurs au sein de la franc-maçonnerie, étaient extrêmement nombreux. Ah. Je parle trop vite, autant pour moi, pour les traducteurs. Excusez-moi les traducteurs. Alors, je vais essayer de parler un peu moins vite. Et voilà, donc c'était une société extrêmement privilégiée. Alors, c'est assez intéressant parce que, pour revenir sur le roi, lorsque vous étiez trois fois roi de suite, donc sur trois années, vous deveniez empereur. Et c'est là, vous aviez les privilèges à vie. Donc, on voit, c'était assez intéressant. Ça a posé des gros problèmes pour les villes parce qu'en termes de fiscalité, il y avait un trou dans la raquette. Donc, ça posait des gros problèmes, d'autant plus que parfois, les confrères, lorsque quelqu'un était deux fois roi de suite, on va dire, s'entendaient entre eux pour que la personne arrive à accéder au titre d'empereur. Voilà. Ça, c'est juste pour dire. Et ce qui est assez intéressant, si j'étudie dans ma thèse, c'est qu'il y a des grandes comparaisons entre les compagnies, entre elles, pour voir quels privilèges fiscaux ils avaient précisément dans chaque ville pour pouvoir faire du comparatif et bien sûr essayer d'avoir au niveau de leur ville exactement les mêmes privilèges. Ils en cherchaient en gros toujours plus. Alors, ces compagnies avaient également un caractère ludique, les jeux et les plaisirs, parce que l'activité principale était de se retrouver dans un jardin, ce qu'on appelait les jardins de l'arc ou de l'arquebuse dans les villes, pour venir pratiquer leurs jeux. Alors, très rapidement, les nobles jeux, il y a eu le noble jeu de l'arc, de l'arbalète et de l'arquebuse. Alors, d'où vient le terme noble jeu ? C'est un terme qui existait déjà à l'époque médiévale pour certains jeux. Le jeu de la hache, de l'épée, le jeu des échecs étaient qualifiés ainsi. Les nobles jeux arrivent après donc la hache, l'épée et l'échec. Ensuite, après les nobles jeux, en termes de nobles jeux, on compte aussi le billard. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que dès que le billard arrive, les nobles jeux s'offusquent. Normalement, c'était eux les nobles jeux. Donc, ils décident de devenir à la fois noble et royal jeu. D'accord ? On rajoute un adjectif qualificatif en plus, comme on peut bien le voir parfois dans certains titres et grades maçonniques, pour toujours la recherche d'en avoir plus. Alors, c'était des jeux moralisés, des jeux raffinés pour l'élite, peu codifiés dans la littérature quand on s'y intéresse au niveau historique. Ce sont des jeux qui distinguent, des jeux de prix, des jeux, on va dire, amateurs, dans le sens où on ne faisait pas carrière, il n'y avait pas des joueurs professionnels. C'est des jeux aux chances inégales, parce que, en gros, il y avait une hiérarchie en interne. Celui qui avait le rang social le plus élevé commençait à tirer en premier. Et vous voyez, dans le cadre du tir du roi dont je vous parlais tout à l'heure, il avait naturellement beaucoup plus de chances d'atteindre la cible en premier. Voilà, donc un jeu avec des chances inégales. Un jeu assez conservateur. Des jeux licites et encouragés par l'ensemble des pouvoirs. Un jeu scénique. Il y avait vraiment, j'ai étudié ça dans ma thèse. Et un petit peu de ce que j'appelle de bouffonnerie, qui existait aussi au sein de ces jeux, avec des rituels, des fois, d'humiliation, lorsqu'il y avait un perdant, etc. Donc, ce sont des rituels assez intéressants à étudier, mais on pourra en reparler si jamais cela vous intéresse. Alors, je ne vais pas rentrer là-dessus, c'est sur la typologie des jeux, juste pour dire que les nobles jeux n'étaient clairement pas des jeux interdits, comme les jeux de hasard, les jeux de dés ou les jeux de paris. C'était ce qu'on appelait des jeux de prix. Alors, vous allez me dire quelle est la différence, parce que ces chevaliers mettaient une mise, généralement, avant de pouvoir tirer. Et quelle est la différence entre un jeu de mise qui est dit jeu de prix et un jeu de pari ? Alors, en fait, la seule différence, c'est qu'on tirait entre bonnes compagnies. Et de ce fait, on devenait un noble jeu et on était un jeu licite. Voilà, c'est la seule raison, ou presque, qui éclaire tout ça. Alors, ces jeux... Alors, parmi les jeux, voilà, il y avait des jeux qu'on appelait provinciaux et généraux, qui étaient des grandes réunions de l'ensemble de ces compagnies, soit au niveau d'une province, soit au niveau carrément du territoire, enfin du royaume.
donc avec une certaine forme de hiérarchie géographique, hiérarchie aussi entre les villes, les bourgs et les villages. Les villes restaient entre elles, les bourgs restaient entre eux et les villages restaient entre eux. C'est très ancien régime, mais c'était comme ça. C'est marrant des fois de voir certains bourgs qui demandent de façon exceptionnelle à pouvoir participer à des tirs et les villes répondent oui ou non, suivant les cas, leurs envies, etc. Alors, ces prix, rapidement, ils sont extrêmement nombreux. J'en ai recensé plus de 118. Et vous voyez la fréquence qui s'étale. On va dire que l'âge d'or était sur les années 1720. Et maintenant, on va passer directement pour vous montrer exactement ce qui était fait dans ces compagnies dans le cadre des nobles jeux de l'arc et de l'arquebuse à Lyon. Alors, je me suis basé pour cette étude essentiellement sur une source principale qui sont les almanachs de Lyon entre les années 1711 et 1797. Et vous avez, je le montre juste après, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez en fait la liste des membres, donc ce qui est très intéressant des fois avec les villes et compagnie. Donc ça permet de suivre entre 1711 et 1797 qui ils étaient, etc. Je me suis également basé sur d'autres sources, donc un armorial que j'ai sorti des chevaliers bienfaisants de la cité sainte et un autre ouvrage d'Aimé Humbert sur les loges maçonniques lyonnaises pour étudier les interactions entre mes compagnies de nobles jeux et celles des loges maçonniques. Donc pour information, également, je me suis intéressé au fichier Bossu, dont j'ai fait un moteur de recherche. Donc c'est un fichier qui recense plus de 165 000 fiches sur des francs-maçons. Et donc c'est un petit moteur de recherche. Si jamais ça peut vous être utile, j'en fais mention ici. Alors, le cas de Lyon, voilà comment apparaissent et disparaissent mes compagnies. Alors moi, je me suis vraiment intéressé sur, je l'ai dit, alors là, c'est les joies de l'interopérabilité entre logiciels. Je suis désolé, il y a des chiffres qui ont un petit peu sauté. On ne voit pas très bien. Donc moi, je me suis vraiment intéressé sur l'époque 18e siècle par rapport aux almanachs dont j'ai parlé tout à l'heure. Ceci étant, quand on reconstitue, donc les compagnies de l'arc sont déjà présentes au 15e siècle. Il y avait une compagnie d'arbalètes, puis l'arquebuse est arrivée après, donc ça va crescendo en fonction de l'évolution de l'armement, bien évidemment. L'arc et l'arquebuse sont toujours présentes à la Révolution, donc on voit que c'est une forme de sociabilité qui a duré extrêmement longtemps. Et vous avez eu la création de quatre autres compagnies, de Sérin, du Luxembourg, de Villeneuve et d'Alincourt, qui sont en fait des faubourgs autour de Lyon. Et donc les faubourgs ont eux-mêmes créé leur propre compagnie. Donc c'est celle que vous voyez ici. Alors je me suis amusé à regarder les effectifs entre chacune de ces compagnies. Donc on peut retenir pour l'arc, qui a une stabilité, environ 50 membres. Alors pourquoi 50 membres ? C'est tout simplement parce que les compagnies militaires, c'était le modèle à l'époque, et les compagnies des chevaliers s'y sont conformées. Et après, sur les autres compagnies, c'est un petit peu plus, ça bouge un petit peu plus. En effectif cumulé, voilà ce que ça donne. Donc, dans la ville de Lyon, on avait environ 120 membres par an qui étaient chevaliers de l'arc ou de l'arquebuse en Lyon au XVIIIe siècle. Donc, ce qui est quand même assez intéressant en termes de population. Les tranches d'âge connues, parce que la question que je me suis posée, c'était est-ce que c'était des sociétés de jeunesse ou non ? Et on voit que absolument pas du tout. Parce que c'est ce que je pensais, mais ce n'est absolument pas le cas. Ce n'était pas des sociétés de jeunesse. Vous le voyez ici sur les tranches d'âge que j'ai pu faire. L'ancienneté, je me suis amusé aussi à regarder l'ancienneté dans les compagnies pour voir combien de temps il restait. On voit que certains membres restent jusqu'à 50 ans dans la compagnie, ce qui est quand même assez énorme. Et vous voyez, alors j'ai pris si quelqu'un, la barre de l'espérance de vie qui est en pointillé, la deuxième qui est en pointillé. Donc là, c'est l'espérance de vie théorique si jamais un chevalier rentrait à l'âge légal dans la compagnie. Donc on voit que les gens restaient extrêmement plus longtemps après l'espérance de vie, tout simplement parce que c'était que les notabilités bourgeoises qui intégraient ce genre de compagnie. Alors je me suis aussi amusé à regarder la domiciliation des membres. Donc on voit qu'on est là sur le cas de la compagnie de l'Arc, très très proche de l'hôtel de ville qui est tout en haut. Là, il y a une petite place. Ils étaient très très près du cœur du pouvoir, disons-le comme ça. Là, c'est la compagnie d'arquebuse, donc c'est un peu plus diffus. Là, c'est les compagnies ensuite des faubourgs. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour vous montrer où ils étaient présents. Voilà aussi ce qu'on peut faire en termes de recherche lorsqu'on s'intéresse à ce genre de sociabilité-là. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient, grosso modo ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, leur mission principale dans la ville, au niveau de la milice, c'était d'assurer en gros la protection des monarques lorsqu'ils venaient dans la visite, lorsqu'ils faisaient une visite. Par exemple, à Lyon, voilà, si le monarque ou un duc ou une personnalité importante rentre dans la ville, tout de suite, ils accueillaient comme ça. Ça, c'est pour vous montrer où ils s'exerçaient.
Bon, je vais passer assez rapidement sur ces slides, mais tout ça a été retrouvé sur des plans. Le tir du Papegeais, le tir du roi dont je vous parlais tout à l'heure, donc quelques iconographies pour vous montrer comment ça se passait. Pour l'arc, c'était en aller-retour, donc là, quelques autres iconographies. Donc, ils s'amusaient en gros tous les dimanches et tous les jours de fête, et les jours de fête étaient extrêmement nombreux à l'époque. Hein. On dit toujours que c'est terrible à l'époque moderne et au Moyen-Âge. Non, non, ils s'amusaient beaucoup. Voilà un autre cas où là, on voyait, là, c'est plutôt dans un faubourg ou dans un village où ils se rassemblaient à côté d'une auberge, parce qu'il fallait toujours boire un coup après, hein, société fraternelle oblige. Là, c'est les grands prix dont j'ai parlé tout à l'heure. On voit des grandes parades. Alors, ce qui est assez intéressant, et eux-mêmes le disent, en fait, ils l'utilisent dans leur texte, ils voient leurs grands prix, qu'ils soient provinciaux ou généraux, comme des Jeux olympiques. Donc, c'est assez intéressant. Moi, j'aime bien taquiner les historiens du sport qui remontent toujours ça plutôt à l'époque contemporaine. Non, il y avait déjà une forme d'olympisme avec les Jeux de tir à cette époque-là. Ça, c'est un camp, celui de Lyon, en tout cas, un camp où, voilà, d'un Grand Prix qui a eu lieu en 1670, où vous voyez, les gens arrivaient par bateau, puis ils allaient tirer sur le champ de tir. Ça durait pendant une semaine à deux semaines. Et il y avait voilà, beaucoup de fêtes et de réjouissances à ces moments-là, quasiment plus que de tirs, hein, disons-le. Ça, c'était les récompenses qui étaient faites à l'époque. Je vais passer assez rapidement. Le tir, où la personnalité la plus importante commençait à tirer. Ça, c'est les montants des prix. Bon, c'est pour vous montrer que, voilà, à Lyon, je donne un exemple, en 1701, il y avait plus de 11 000 livres, ce qui est une somme énorme, qui était allouée à l'ensemble des prix pour les chevaliers. Oui, 5 minutes, très bien. Je vais avancer là-dessus. Alors, les cas des doubles appartenances qui nous intéressent également ici avec la franc-maçonnerie. Donc, alors, il n'y a pas eu que la franc-maçonnerie, hein, en termes de double appartenance. Mes chevaliers étaient très liés à toutes les formes de charité qui existaient dans la ville. Donc, l'Hôtel Dieu de Lyon, l'Aumône Générale, etc., etc. Donc, ça, c'était très présent. Mais bien sûr, la franc-maçonnerie avait des liens très importants. Alors, parmi mon corpus, j'avais 626 chevaliers. J'ai trouvé 169 cas de double appartenance. Donc, je me suis amusé à regarder. Vous avez l'axe en bas, l'année de réception au sein des nobles jeux, et en ordonnée, l'année de réception au sein de la franc-maçonnerie. Alors, pourquoi j'ai fait cette chose-là ? C'était pour mettre en évidence qu'il y avait plus de chevaliers qui étaient reçus chevaliers avant d'être francs-maçons. D'accord ? C'était pour voir la diffusion dans le temps. Et généralement, on était d'abord chevalier, puis franc-maçon. Et c'est assez intéressant, parce que ça va en contradiction avec ce qui est dit, notamment dans le dictionnaire de la franc-maçonnerie, qui voit plutôt la chevalerie de l'arc comme un haut grade de la maçonnerie. Alors, ce n'était, de mon point de vue, pas le cas. C'était une forme de sociabilité différente. Alors, les rituels et les réceptions, cas très intéressant qui a été évoqué par mon directeur de thèse, Pierre-Yves Beaurepaire, la loge Saint-Maurice à Clermont-Ferrand a compté donc un nombre de doubles appartenances très présent. Sur 52 frères, il y avait 42 qui appartenaient aux deux sociétés en l'espace de moins de 4 ans. Donc, c'est quand même assez énorme, hein, sur les années 1776 et 1779. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant, d'autant plus que cette loge, la loge Saint-Maurice, a décidé, enfin a écrit au Grand Orient et a demandé la permission de pouvoir réunir à la fois la loge Saint-Maurice et la compagnie d'Arc. Et ils ont fusionné véritablement. Donc on a une chose hybride entre deux sociétés fraternelles qui fusionnent entre elles et qui donnent donc quelque chose d'un peu particulier. Et on voit, c'est assez intéressant, hein, dans les statuts et règlements de cette nouvelle forme de sociabilité, c'est assez marrant parce que le roi, lors des activités du noble jeu, préside en gros l'Assemblée. Avec ses décors. Et dans le cas des travaux maçonniques, ça va être le vénérable maître et le roi va se trouver à sa droite, etc. Donc il y a une forme de mise en relation d'équivalence qui est assez intéressant là-dessus. Alors, l'origine de cette chevalerie. Alors moi, je la remonte à 1565 avec la création sur Paris d'un ordre qui s'appelle l'ordre des chevaliers du Papegeais. Donc voilà, dans la série français 22-216, j'ai trouvé ces statuts qui sont un peu particuliers, un peu bouffons. Je reviens à l'idée de la bouffonnerie tout à l'heure. C'est un statut où pour chacun des statuts, c'est écrit dans une langue différente. Donc vous commencez par le français, puis on passe au picard, puis on passe à l'espagnol, etc., etc. Donc c'est quand même, j'avais jamais vu ça jusqu'alors dans les statuts.
Ensuite, après 1565, ce qui est assez intéressant, cette diffusion de cette chevalerie est vraiment très très présente. Donc le terme de chevalerie proprement parlé intervient à Chaumont en 1599, dans Dijon et toute la Bourgogne 1601, Besançon, Lyon en 1628, etc., etc. C'est pour vous montrer que ça se diffuse, la chevalerie se diffuse énormément au courant du XVIIe siècle en particulier. Alors on peut se poser aussi la question, d'où vient le terme de chevalier? Alors ce terme de chevalier des nobles jeux est à la fois lié, semble-t-il, au chevalier au Pape Gault, qui est un roman arthurien du XVe siècle. Vous avez aussi l'idée des chevaliers des tournois, bien sûr, à l'époque médiévale. Chevalier, le titre nobiliaire, en tout cas, quand on lit les textes des chevaliers nobles jeux, ils s'y revendiquent énormément. Vous avez aussi le terme, à l'époque moderne, de chevalier du guet, qui était le responsable des archers du guet au sein des villes. Et c'était aussi une forme de chevalerie sportive, je l'ai déjà dit tout à l'heure, avec les formes d'olympisme, etc. Alors, juste pour dire aussi, alors, hier, ça a bien été dit durant le workshop, il ne faut jamais faire attention aux dates qui sont mentionnées sur les manuscrits. Alors ça, je suis complètement d'accord en tant que jeune historien, doctorant. En tout cas, voilà, j'ai trouvé un manuscrit se disant de 1722, donc avant l'arrivée, a priori, de la franc-maçonnerie en France, avec une forme de rituel, on va dire, proto-maçonnique, avec des éléments assez intéressants, à savoir notamment... des histoires par mots secrets qui interviennent. Vous avez une forme d'instruction par demandes et réponses, et vous avez la manière de se faire recevoir et le serment. Donc voilà, on retrouve déjà en 1722 cette forme-là. Et en fait, bien avant 1722, il y a d'autres traces aussi qui mettent vraiment en avant toutes les formes de rituels qui existent déjà au sein de cette chevalerie, mais on pourra y revenir si vous voulez durant les questions. Donc cette chevalerie a continué, j'ai bientôt arrivé à ma conclusion. Je l'ai dit tout à l'heure, cette forme de sociabilité existe toujours aujourd'hui. Vous avez en fait dans le milieu de l'archerie deux formes de sociabilité. Vous avez le club de tir à l'arc sportif qui est là pour faire du sport et vous avez ce qu'on appelle les compagnies d'arc qui continuent à faire perdurer les traditions du noble jeu. Par contre, ils le font de façon extrêmement discrète et appliquent à la lettre, on va dire, la discrétion qu'on n'applique pas forcément aujourd'hui dans le milieu maçonnique. Donc là, vous avez un catéchisme de 1858. Alors, je vais juste dire pourquoi je montre celui-là. C'est que, en tout cas, sur la fin du 19e siècle, si les rituels étaient très christiques, hein, le fond du rituel était le suivant. On était reçu, en gros, dans le jardin des Oliviers. Et en fait, tout le rituel est christique et va jusqu'à la mort du Christ. D'accord ? Donc c'est comme ça que ça se passait à cette époque-là, en tout cas au 18e siècle. C'est très prégnant là-dessus. Et 19e siècle, on a une laïcisation, comme on peut le voir aussi en maçonnerie, des rituels. Et donc, beaucoup de choses sont rasées et beaucoup de choses deviennent liées à la franc-maçonnerie. Hein, on voit une apparition des épreuves par les éléments, etc., chose qui était complètement absente de la chevalerie de l'arc avant. Donc, via les doubles appartenances des pratiques mutuelles qui apparaissent. Voilà. Donc, je voulais juste, et je vais aller très rapidement sur ma conclusion, pouvoir vous faire présenter tout ça pour justement pouvoir vous donner une idée de ce qui existait et ce qui existe toujours en termes de sociabilité au sein des villes. J'en ai terminé. Merci Thomas. It's always a privilege to listen to a communication that is the result of a thesis, and it's really hard to squeeze 4 or 5 years in 25 minutes, so congratulations for that as well. So the questions, I will let them to the end because some questions may address both papers at the same time. So we're going to leave the questions to after the both papers be presented. Now we have Francis Delon, he's a doctor in English studies at the University of Bordeaux. Ionel Guernotti. who did a Master 1 in Sciences de Religion et Laïcité à la École Pratique de Hautes Études. And they're going to present the paper called Une Société Paracompagnonique dans la France de la fin du XXe siècle. Merci Felipe Corte Real de Camargo de cette présentation.
Merci à la 3e conférence internationale d'histoire de la franc-maçonnerie et des organisations fraternelles d'avoir retenu notre communication. En préambule, nous parlerons du fonds Léon Schullingen des archives de la Grande Loge nationale française. Le 15 juin 2003, un grand officier de la GLNF, Peter Bloch, grand inspecteur, remit aux archives de l'obédience 5 cartons de documents appartenant à un dignitaire de celle-ci, Léon Schullingen, ancien membre du Conseil des Sages, décédé le 14 mai précédent. Ces papiers peuvent être regroupés en 4 ensembles distincts. Les convocations de la loge dont il était membre, Anglo-Saxon Lodge numéro 103, rite émulation en anglais, où il avait été reçu, l'adoration des mages 45, rite émulation en français, Astrée numéro 100, au rite écossais ancien et accepté en russe, sa langue natale, Tan Han, la paix suprême numéro 207, et Jean de Foucault numéro 1026, au rite écossais ancien et accepté, auquel il convient d'ajouter les registres des procès-verbaux et de présence de la loge de recherche en anglais, Phoenix Lodge numéro 30, dont il fut de nombreuses années secrétaire, et les convocations de son chapitre anglophone de l'Arche royale, Britannic Fidelity Royal Art Chapter, numéro 9 et 10. Puis, se comptent ensemble, les convocations des structures de haut grade, Side Degrees, Grande Loge des Maçons de Marque et des Lotonniers, Knight Templar and Knight Templar Priest, Grand Prieuré des Gaules, Royal Order of Scotland. Les convocations, les rituels et la correspondance des cénacles d'une société paramaçonnique, la Societas Rosicrucianas in Anglia, fondée en Angleterre en 1867 et reposant sur 3 textes publiés entre 1614 et 1616, la Fama Fraternitatis, la Confession Fraternitatis et les Noces Chimiques de Christian Rosenkreuz. Attribués à Valentin Andrea, 1586-1654, ils furent à l'origine du mouvement rosicrucien. Les convocations, les rituels et la correspondance d'une association paracompagnonique, la Société des Compagnons acceptés des anciens devoirs, où il occupa entre 1992 et 1999 les fonctions de principal du consistoire en sa qualité de trésorier général et de parlier d'Île-de-France sous le nom de Neulen, fils de Lorient. Je laisse la parole maintenant à Francis Delon. Donc, je vais donc vous parler maintenant du passage des compagnons acceptés de l'ancien devoir à la Société des compagnons acceptés des anciens devoirs. Vers la fin des années 1950, Raoul Vergès, alors Raoul Vergès est un compagnon du Tour de France, compagnon charpentier, qui a joué un grand rôle dans la renaissance du compagnonnage en France après la Seconde Guerre mondiale. Donc ce compagnon charpentier du devoir de liberté, devenu entrepreneur en charpente en banlieue parisienne, puis journaliste, écrivain et cinéaste, confronté comme nombre de ses confrères à des difficultés financières récurrentes, reçut dans un atelier compagnonique parallèle dénommé les compagnons acceptés de l'ancien devoir et qui s'y réunissaient rue Saint-Bon, près de la tour Saint-Jacques, des artisans et des financiers, mais aussi des hommes de lettres comme l'éditeur Jean de Foucault, l'imprimeur d'art Joël Picton, le poète et journaliste Gérard de Crancé, puis en 1966 l'écrivain Frédéric Tristan. Ce qu'il faut savoir que Frédéric Tristan, donc, c'est un écrivain qui a eu le prix Goncourt en 1983 et qui également était un dignitaire de la Grande Loge nationale française. Puis il a été vénérable maître de la loge de recherche Villard de Renecourt et il a été grand orateur. Voilà, ensuite, au début des années 1970, une scission s'est produite au sein de cet atelier entre, d'une part, les partisans laïcs, entre guillemets, autour de Vergès, qui s'intéressaient surtout à des problèmes de financement, et d'autre part, le groupe traditionnaliste autour de Jean de Foucault, qui aspirait à donner au compagnonnage des lettres de noblesse, venant, si possible, du XVIIIe siècle, c'est-à-dire de la naissance du compagnonnage moderne. Les membres de l'atelier de la rue Saint-Bon participèrent ainsi au symptôme des compagnons en France et en Europe publié par les éditions Gary entre 1970 et 1974. Cette Cayenne devait néanmoins cesser de se réunir au début des années 1980 après le décès de Jean de Foucault et l'installation par Joël Picton de son atelier à Narbonne. Cependant, à son retour d'Extrême-Orient pour des raisons professionnelles, Frédéric Tristan
eut l'opportunité de retrouver un de ses anciens amis, Pierre Laurent. Celui-ci lui confiait alors que son fils Christian, un homme d'affaires, était intéressé par son projet de redémarrer ce compagnonnage. Grâce à son appui financier et le soutien quasi exclusif de membres de la Grande Loge Nationale Française, dont Léon Schulingin, donc d'où provient le fonds, et également le prince Alexandre de Yougoslavie. Alexandre de Yougoslavie, 1924-2016, était le neveu d'Alexandre Ier de Yougoslavie, assassiné à Marseille en 1934. Le neveu était le fils du régent Paul, dont il s'est ensuite réfugié en France. Il a été également un grand dignitaire de la Grande Loge Nationale Française, puisqu'il a été assistant grand maître. Et donc, il a occupé au sein de la société compagnons les fonctions de président, on y reviendra, entre 1995 et 1999. Et donc, résultat, ils étaient suffisamment nombreux, donc ces sept compagnons se sont retrouvés donc le 30 mars 1992 pour constituer la société des compagnons acceptés des anciens devoirs. La nouvelle association compagnonique se dota alors d'un règlement en 43 articles, la grande règle de la société des compagnons acceptés des anciens devoirs, qui fut promulguée le 1er septembre 1992. Celle-ci devait être en remise à chaque impétrant au moment de son admission. On va donc maintenant voir cette grande règle. Alors, cinq articles en préambule étaient consacrés aux origines, aux finalités de la société. Celle-ci, considérant qu'elle était actuellement la seule à posséder les rituels et les usages de la tradition des compagnons acceptés et les avoir mis en œuvre, se prétendait donc légitime pour continuer de gérer les trois échelons du compagnonnage accepté, qui sont ceux de compagnons entrés, de compagnons finis et de compagnons initiés. Elle précisait en outre que sa tradition reçue par Jean de Foucault, Raoul Vergès et Antoine Molest n'avait jamais été interrompue. Alors, cet Antoine Molest était un compagnon charpentier de Carcassonne qui avait confié à l'universitaire René Nélis, historien du catharisme et spécialiste des troubadours, qu'il avait obtenu ses rituels du symboliste chrétien Louis Charbonneau-Lasset, donc auteur du bestiaire du Christ, qui affirmait avoir entretenu des relations avec deux congrégations chrétiennes à caractère initiatique fondées au XVe siècle. Donc cette société des compagnons avait pour but premier l'initiation au métier de ses membres sur un plan symbolique et fraternel. Celle-ci, dont symbolique et métaphysique, était révélée par ses rituels, ses légendes et ses usages dispensés dans une hiérarchie organisée à un ordre. N'exigeant aucune croyance religieuse ou philosophique spécifique de ses membres, elle interdisait également toute discussion politique, religieuse ou mystique durant les rites ou les travaux. En revanche, durant les travaux de table, il était obligatoire pour chacun des membres, lors du tour de table, de communiquer aux autres l'état de son métier. La devise de la société, « In templum est aureum », entourait son emblème constitué du compas, de l'équerre, de la bisague, en hommage au charpentier dont elle était issue. 12 articles détaillaient ensuite l'organisation administrative centrale de l'association. La direction était assurée par un président, gouverneur de l'ensemble de la société et gardien suprême de la tradition des compagnons, élu pour 4 ans, renouvelable une fois par le consistoire. Le consistoire était composé de 7 membres, choisis par cooptation avec l'agrément du président, 3 principaux, le secrétaire général chargé de l'organisation des chambres, des cayennes et des ateliers sur le plan administratif, le trésorier général pour les finances et le frère terrible qui était le mainteneur de la tradition compagnonique chargé de la tenue rituelle et initiatique de la société, plus 4 assesseurs donc, qui étaient laissés à la disposition du président. Le territoire était divisé en régions qui étaient délimitées par le contour des anciennes provinces. Chaque région était administrée par le parlier de la chambre désigné pour 2 ans par le président. S'il était reconduit dans ses fonctions, il prenait le nom de prévôt. Chaque année, donc, le président réunissait tous les anciens dans une assemblée pour préciser leurs orientations. Il pouvait également convoquer la grande assemblée de l'ensemble des membres auxquels on invitait parfois des grandes personnalités profanes. Il pouvait organiser pour une assemblée des prévôts et des parliers ou les deux ensemble pour s'astatuer sur la bonne marche de ces régions. La majeure partie de la règle s'attachait à préciser le rôle et le fonctionnement de la Cayenne, cellule de base de l'association où se retrouvaient régulièrement les compagnons pour recevoir des membres aux deux premiers échelons,
compagnon entré, compagnon fini. Chaque Cayenne était défini par le métier de ses membres, qui était désormais spéculatif, mais pouvait être également manuel. Certains métiers spéculatifs étaient acceptés par tradition. Les architectes, les hommes de loi, les entrepreneurs, les financiers, les créateurs d'art, les transporteurs, car les professions avaient été, ces professions ont été tout le temps acceptées dans les Cayennes de compagnons opératifs pour les besoins de leurs travaux. Ainsi, la Cayenne Gérard de Crancé était composée d'artistes et d'écrivains. La Cayenne, la Pendule à Salomon, en majorité de compagnons versés dans les problèmes bancaires. Enfin, elle pouvait admettre des clercs, mais seulement après l'accord du consistoire, et on les disséminait dans les autres. Sept compagnons étaient nécessaires pour former le Cayenne et l'atelier qui le précédait. La requête était transmise au président. Il y avait enquête du consistoire. Et durant la consécration, on installait le premier en ville, qui était l'officier qui était chargé de diriger l'atelier, et le maître d'œuvre, qui était l'officier qui dirigeait la Cayenne. Le collège des officiers était renouvelé automatiquement à la Saint-Jean d'hiver selon une hiérarchie des fonctions. Deuxième en ville, succédant au premier en ville, en tant que corolleur, succédait au maître d'œuvre. Chaque Cayenne pouvait se doter d'un règlement. La société n'admettait que des hommes ayant atteint la majorité légale, à l'exception de la mère que chaque Cayenne était invitée à chercher. Lorsqu'elle pensait l'avoir trouvé, elle en informait le consistoire avant que le président ne valide cette candidature. Alors, elle pouvait être soit l'épouse et la fille d'un compagnon. Alors, il y avait ensuite d'autres articles qui portaient sur les conditions d'accès au troisième échelon, sur lequel on reviendra, sur les fêtes qui étaient organisées, sur les pèlerinages. Alors, on invitait les compagnons à se rendre dans les grands lieux compagnoniques, c'est-à-dire le chemin de la Sainte-Baume, de Saint-Maximin, Strasbourg, Notre-Dame, etc. Et alors, il y avait également, vous aviez l'article 42 qui décrivait tous les décors. Alors, le président portait un sautoir rouge orné d'un phénix avec la médaille de la société, plus un chapeau haut de forme, orné les jours de fête des rubans noirs, vert, bleu, rouge, blanc, et là, il les règles à la main. Les principaux du consistoire, un sautoir rouge orné d'un pélican, les assesseurs, un même sautoir avec 345 brodés en fil d'or. Les anciens avaient une écharpe blanche, le maître d'œuvre, un sautoir rouge terminé par un compas, ouvert, le premier en ville, un sautoir rouge terminé par une équerre, le gardien de l'atelier, une canne. Et les compagnons initiés avaient une écharpe bleue, les compagnons finis, une écharpe rouge, les compagnons entrés ne portaient pas de décor. Alors, pour le fonctionnement interne de la société, il faut savoir que deux présidents se sont succédés entre 92 et 99. Voilà donc, l'écharpe qu'on remettait au troisième grade, voilà, de compagnons. Voilà. Alors, Christian Laurent, qui a été président entre 1991 et 1995, a précisé que la société poursuivait des buts sociaux et politiques, mais pas politiciens, car fidèle à la tradition des compagnons du Saint-Devoir, elle associait les deux glaives, spirituel et temporel. Il a donc engagé les membres à mettre en pratique les valeurs du compagnonnage dans leurs activités professionnelles. Toutefois, rapidement, l'insuffisance des résultats obtenus a conduit à la désaffection de nombreux compagnons, puis au départ de plusieurs dignitaires fondateurs en raison de pratiques affairistes de certains membres, et suite à la mention de son nom par la presse dans le scandale financier de la Caisse du Crédit Agricole de Lyon, Christian Laurent a préféré se retirer. Il a donc été remplacé par le prince Alexandre Yougoslavie entre 1995 et 1999, qui a rappelé donc fermement que l'association avait pour objet, d'une part, l'étude et la pratique du rituel spécifique des compagnons qui étaient liés dans la tradition de Maître Jacques et Dubois, et d'autre part la réflexion sur l'idée du compagnonnage considéré comme modèle pour la société. Alors également, il a donc autorisé par contre les sociétés à fonder des groupes parallèles où on s'intéressait, où on aidait les artisans à améliorer leur qualité professionnelle. Alors il faut savoir qu'en mai 93, il y avait déjà 98 membres, et il y avait 5 Cayennes qui avaient été constituées. Jean de Foucault, alors Saint-Colus est intéressante, elle a été fondée par des frères venant de la Loge nationale française, puis à la GLEDF, qui avait introduit le rite français. Puis Gérard de Crancé, la Pendule à Salomon. À 99, il y avait 12 Cayennes à Toulouse,
il y en avait une à Lyon, il y en avait une à Reims, il y en avait à Amiens, il y en avait à Saint-Quentin-en-Yvelines, il y en avait à La Réunion, il y en avait une à Barcelone, à Paris, il y en avait une, les trois autres ne fonctionnent plus. Alors, l'origine sociale, très rapidement, c'était beaucoup de gens venant du monde de l'entreprise, mais des chefs d'entreprise, directeurs généraux, directeurs de galeries d'art, etc. Il y avait des juristes et des avocats. Pour les postulants, la majorité donc, avait entre 50 et 60 ans. Bon, on va donc étudier les travaux. On peut passer la première image. Alors, vous avez là donc un exemple de convocation. Ça va nous servir. Oui, voilà, parfait. Ça va nous servir pour l'ordre du jour. Donc, on vous dit donc ouverture générale des travaux, l'ouverture du conf. Donc, on va donc détailler tout ça. On va d'abord voir le plan de l'atelier. Projette le plan de l'atelier. Voilà donc se présenter. Alors. L'atelier. Vous voyez donc comment ça se présente. Vous avez au fond donc le premier en ville. Vous avez le secrétaire à côté, l'orateur. Les compagnons sont sur les deux côtés. D'un côté, vous avez ceux qui sont compagnons finis, de l'autre, ceux qui sont compagnons entrés. Voilà donc comment cela se passe. Alors, voilà. Alors, donc, je vais donc passer pour la cérémonie d'installation du premier en ville. Parce que, alors, comment ça se passait? Alors, pour l'ouverture des travaux, donc, elle était effectuée par le compagnon qui était le présent le plus élevé. Et donc, c'est lui qui faisait passer le mot. C'est-à-dire, ils se mettaient tous autour de lui. Et il faisait passer le mot qui ensuite lui revenait. Ensuite, on rompait donc la chaîne et tout le monde s'installait à sa place. Ensuite, on allait ouvrir le coffre. Alors, le coffre était situé à l'entrée de l'atelier. Et donc, l'orateur, le gardien et le maître d'œuvre avaient chacun une clé. Alors, l'orateur passait sa clé dans la serrure droite et prononçait le mot Zabulon. De la tribu d'Israël dont les terres jouxtaient la mer. Le gardien plaçait la clé dans la serrure gauche et prononçait le mot Ishtchotreb, signifiant en hébreu celui qui travaille le bois. Et le maître d'œuvre ensuite plaçait sa clé dans la serrure frontale en prononçant le mot Gabaon. Ensuite, donc, l'acolyte sortait tout ce qu'on avait besoin et allait donc tout placer à l'intérieur de l'atelier. Alors, vous aviez rapidement donc, la Bible ouverte au prologue de Saint-Jean, le sadolien à Saint-Branche sur la chaire du premier en ville. Vous aviez ensuite donc la table du secrétaire, vous avez tous les rituels, sur l'orateur la règle, le deuxième en ville un maillet en bois, la place du gardien non, il est près de l'entrée. Et au centre de l'atelier qui n'est pas représenté ici, vous aviez la pendule à Salomon qui était emmaillotée dans la banderole écriture cachée entourée de quatre équerres en carré. Il faut savoir que dès qu'on avait ouvert, les équerres étaient disposées en fatisca. Alors pour les tableaux d'Occident, passe le premier tableau. Alors, ça représente un homme en équilibre au-dessus d'un profond ravin. Ses bras sont tellement chargés qu'à tout instant, il peut perdre l'équilibre. Le deuxième tableau d'Occident est un fou qui haranguait un peuple de sots. Au fond, on voyait une maison qui brûlait. Le troisième tableau représente un marchand qui vend des outres d'où s'échappe du vent. Une dame lui tendait une pièce de monnaie. Derrière lui, un homme en colère levait une arme pour le blesser. Au pied à l'Orient, vous aviez maintenant un phénix. Le phénix, donc, sur un brasier, elle déployée. Et l'autre tableau, c'est le pélican. Bon, vous allez voir maintenant rapidement le rituel de l'ouverture de l'atelier. Projette-le. Vous pouvez le lire pendant que je continue mes explications. Voilà, donc, vous voyez, c'est extrêmement simple. Vous pouvez le lire, ça. Ce qu'il faut, je rajoute simplement que les compagnons demeuraient assis en silence et que les deuxièmes en ville passaient devant eux. Ils se mettaient les mêmes pommes sur les bas des cuisses au-dessus du genou. Position évoquant l'obéissance et la rigueur. Alors, comment se passait la cérémonie d'adoption d'un apprenti entré? Alors, on le faisait donc rentrer à reculons et on lui montrait les trois tableaux que je vous ai montrés, c'est-à-dire le premier tableau d'Orient, c'est-à-dire, bon, on revient sur le premier tableau, ça voulait seulement dire que l'homme était encombré de significations si nombreuses qu'il lui était contradictoire, qu'il lui était difficile de les maîtriser. Le second tableau lui rappelait l'orgueil dont était rempli l'être humain. Et le troisième tableau auquel on l'amenait, tout simplement, c'était ce que je voulais expliquer ça tout à l'heure. Ensuite, on l'amenait bien sûr devant de... Voilà, l'image rappelait que la cupidité ramenait à la ruine. Ensuite, on lui faisait enjamber la pendule à Salomon pour l'amener jusqu'à...
jusqu'à l'Orient, et là on lui montrait le phénix revient en lui disant que c'était le feu sur lequel il repose allait l'embraser, qui serait réduit en cendres, mais que de ces cendres naîtrait un nouveau phénix. Ensuite à ce moment-là, le premier en ville se levait et allait le frapper légèrement sur chaque épaule de la règle en lui disant: par cette règle qui est le symbole de la rectitude, je vous reçois compagnon entré, et lui donner la poignée de main de compagnon qu'on appelait la griffe, que ça ressemblait à une griffe. Et ensuite, on l'a amené devant le deuxième tableau où on lui disait que c'était le pélican. Voilà. Et c'est comme ça qu'il était reçu. Voilà. Alors, il faut savoir qu'en dehors des cérémonies, alors on lui remettait également ce qu'on appelait le cheval. Oui, voilà. Alors, ce qu'on appelait le cheval, c'était un billet qui allait suivre tout son parcours. Alors, ensuite, on présentait des légendes. Donc, je vais seulement vous donner des titres qui étaient en rapport. Il y avait la légende de la présentation des outils, la légende de Marie Madeleine. Alors, ensuite, on passe au deuxième échelon, le plan de la Cayenne. Montrons-nous le plan, voilà. Ah, voilà le plan de la Cayenne. Donc, alors, cette Cayenne est dirigée par un maître d'œuvre. Hein. Alors, montre l'ouverture des travaux. Voilà, dans le rituel rapide d'ouverture des travaux. Le fait important, c'est que le gardien se rend au centre et il déploie la banderole qui était cachée. Et sur cette banderole, il y a l'inscription « J'élèverai une demeure pour abriter ton nom ». Il dispose les quatre équerres en croix grecque. Alors, comment le compagnon, ensuite, et pour être exalté au deuxième grade, mais c'est tout simplement quelque chose qui ressemble beaucoup à la légende d'Hiram. Vous savez qu'on trouve en franc-maçonnerie, c'est-à-dire que Maître Jacques, qui est celui dont qui a été amené pour construire le temple de Salomon, il est victime de trois mauvais ouvriers qui veulent bien sûr l'arracher ses secrets. C'est toujours voilà. Alors bien sûr, alors il est frappé d'un premier coup par le livre, par un coup de Bible sur l'épaule. Il est frappé par un coup de règle à 24 heures sur la seconde épaule. Et le maître d'œuvre lui donne un coup de maillet sur le front. Il tombe et on le relève selon les sept points parfaits du compagnonnage, induisant: mais tel le phénix, vous allez renaître. Et à la fin, on lui tient des discours misquides, et vous retrouvez également dans les travaux des légendes, style la légende d'Ézéchiel, la légende de Salomon, qui sont des légendes en rapport avec le compagnonnage. Alors ensuite, on fermait les travaux après avoir reçu. Donc, voilà donc le plan du temple. Alors, le plan du temple était donc, vous voyez, c'est toujours pareil, les cônes d'entrée, etc. Et donc, on lui montrait le temple, ensuite, quand il avait, au moment de sa réception, à ce grade-là. Alors ensuite, on fermait la Cayenne. C'est extrêmement simple, le rituel. On fermait l'atelier. Vous lire ça. On fermait ensuite le coffre, c'est-à-dire qu'on remettait dans le coffre tous les outils, les rituels qui avaient été utiles pour la cérémonie. Et ensuite, il y avait des travaux de table où on rendait hommage à ceux qui étaient morts et à ceux qui étaient vivants. Alors, il y a un troisième échelon, mais hélas, je n'ai pas trouvé de rituel concernant ce troisième échelon. Ce qu'il faut savoir, c'est que le candidat devait présenter un mémoire intellectuel, par exemple, les mots hébreux dans les rituels et les légendes de la société qui ont été composés par un compagnon fini de la Cayenne, Saint-Claudius. Et s'il était digne et digne, il était reçu dans une structure particulière qui était la chambre de Saint-Jean l'Ancienne. Et là, on lui remettait sa canne et ses décors qu'on vous a montés par le parlier. Alors, une conclusion très, très brève. À l'automne 2000, à la suite des informations erronées publiées sur la société des compagnons acceptés des anciens devoirs par l'historien François Hichère dans sa thèse « Les compagnonnages en France au XXe siècle, histoire, mémoire et représentation », qui ne tenait pas compte des changements survenus à partir de 1996 et de leur impact dans les milieux compagnoniques, les nouvelles instances dirigeantes décidèrent lors de leur assemblée générale d'adopter un nouveau nom, Association des compagnons de métier, qui, sans trahir leur identité profonde, tenaient compte des critiques qui leur avaient été adressées sur l'utilisation des termes acceptés et anciens devoirs. Alors, j'avais oublié de vous dire qu'également, quand on est compagnon entré, on reçoit un nouveau nom. Alors, par exemple, Avignonnet la Vertu. Voyez, voilà. Donc, ça prouve bien qu'il y a un changement d'identité, etc. Voilà donc ce que je peux vous dire sur cette société paracompagnonique. Je vous remercie. Oui,
Vous m'entendez ? Oui. Alors, nous voudrions surtout remercier Jean-Michel Mathurnière, spécialiste du compagnonnage, pour l'interprétation qu'il a pu nous donner concernant les lettres figurant sur le baudrier et les différentes significations des symboles, notamment au revers, la lettre IRLF, les lettres IRLF que vous pouvez retrouver ici et qui signifie « Ici repose le fondateur », bien évidemment, non pas Maître Hiram, mais Maître Jacques, en l'occurrence, pour la société, cette société paracompagnonique. Thank you, Francis and Yonel. Very interesting, and it's always important to stress that the studies on Freemasonry, they are part of a big umbrella of the studies of fraternal organizations, of the sociabilities. So it's always interesting, this new apports that the studies on the other fraternal societies, they bring to the studies on Freemasonry. So we will pass the microphone now for questions. Je vais vous dire, pendant que vous pourrez poser à loisir vos questions, je vais passer quelques slides d'écharpes et de couleurs des compagnons charpentiers des devoirs de liberté des Indiens, dont Jean-Michel Mathurnière a bien voulu nous communiquer quelques photos, de manière à pouvoir comparer le baudrier de cette société paracompagnonique avec des vrais baudriers, cordons et couleurs compagnoniques. Je vais passer le micro, mais comme je l'ai, je le garde. Je trouve d'abord que c'est une magnifique illustration de ce que Andrew nous disait ce matin sur l'invention d'une tradition. Alors, on va sans doute discuter de tout le background, de tout ce qu'il y a derrière, parce que ceux qui sont un peu intéressés à l'histoire des idées dans la franc-maçonnerie à la fin du XXe siècle, ils voient des noms derrière tout ça. Voilà, en tout cas, je passe la parole à Jean-Michel. Alors, il pourra peut-être nous éclairer là-dessus. On a bien compris que ça avait été quand même quelque chose qui avait été largement créé avec des rituels réécrits, etc. Mais le lien avec Vergès, est-ce que ça le rattache, ne serait-ce que par un petit fil, à une vraie branche compagnonique ? Question facile. Question facile, mais très difficile à exposer parce qu'on est typiquement dans un territoire de fantasme complet pour ce qui est et des francs-maçons, évidemment, et également des compagnons. Alors, le rapport avec Raoul Vergès, effectivement, relie au devoir de liberté des compagnons charpentiers. Alors, la légende des compagnons charpentiers veut que ce devoir soit une scission née en 1804 du compagnonnage donc, des charpentiers dits Soubise, les enfants du père Soubise. Et on est déjà là dans une première légende complète, parce que j'ai eu le bonheur de pouvoir accéder au grand livre des Indiens qui est supposé depuis 1804 recenser toutes les initiations et on se rend très vite compte à la lecture qu'il s'agit d'un registre qui date probablement des années 1835-1840 et sur lequel on a inventé une fondation. Alors, les Indiens ont fait plus fort que tous les autres groupes compagnoniques. Ils ont réclamé être une scission ouvertement. Alors que jusqu'alors, toutes les sociétés de compagnonnage qui s'étaient créées par elles-mêmes, c'est-à-dire sans aucune filiation, on leur avait tout de suite reproché de n'avoir aucun fondement. Alors les Indiens, les charpentiers, donc scissionnaires, décident, eux, de dire, ben voilà, on est une scission. Et 30 ans plus tard, donc dès 1835, plus personne n'est au courant des tenants et aboutissants de cette scission, parce qu'il faut bien comprendre une chose, une différence fondamentale, vraiment négligée, entre franc-maçonnerie et compagnonnage, à toutes les époques, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, dans une certaine mesure, c'est que nous sommes face à des sociétés de très jeunes gens. Il n'y a pas de fixité. On est compagnon du Tour de France pendant la durée du Tour de France, et la durée du Tour de France au XIXe siècle, c'est en général 4 à 5 ans. C'est aujourd'hui beaucoup plus long, mais à l'époque, c'est 4 à 5 ans. Ça change sans cesse. Il n'y a pas du tout de fixité des rituels. Ça va venir au fur et à mesure du 19e siècle. À partir du milieu donc, du 19e, on va vouloir raccorder un petit peu les sociétés d'anciens compagnons, qui sont presque tous devenus francs-maçons par ailleurs, aux sociétés de jeunes compagnons. Et c'est là qu'il va y avoir un maximum d'interférences, comme je les nomme,
entre les rituels maçonniques et les rituels compagnoniques. Donc, pour revenir à nos Indiens, comme l'illustre très bien tout un tas de détails sur ce diplôme donc, qui était remis aux compagnons initiés, au grade final donc, des charpentiers du devoir de liberté, eh bien, en fait, ils vont emprunter la totalité, j'allais dire la quasi-totalité. Non, non, ils vont emprunter la totalité de leurs rites et de leurs symboles à différents grades maçonniques, et notamment donc, dans les grades d'élus, alors que d'autres compagnonnages avaient plus sagement emprunté au grade d'apprenti, compagnon et maître. Et ça, ça va durer jusqu'à la disparition des Indiens en 1945, à l'issue de la guerre. Les compagnons charpentiers des deux rites décident de fusionner et c'est là que nous retrouvons notre Raoul Vergès, qui est très mécontent de cette fusion et qui va s'efforcer de conserver de manière un peu cachée, ce rituel des Indiens qu'il estime être le plus beau rituel compagnonique, alors qu'en réalité, donc vraiment, je suis très clair là-dessus, c'est un rituel maçonnique. Voilà. Et donc, il va presque sans dire, mais il faut le dire, justement, il faut l'affirmer. Tout ce qu'on a pu entendre là concernant des usages compagnonique, j'espère que vous entendez les guillemets dans ma voix, eh bien tout ça n'a absolument aucun fondement compagnonique. Ça procède d'une superposition, d'une confusion permanente des usages et du vocabulaire. Le simple fait, par exemple, de mélanger sans cesse Cayenne et chambre. Cayenne, c'est le terme qu'on emploie chez les compagnons charpentiers. Chambre, c'est le terme usuel pour désigner exactement la même chose. Il y a donc des mélanges aussi par rapport à la Sainte-Baume. Des enfants de Salomon, enfin, qui se revendiquent de cette filiation-là, n'ont rien à faire à la Sainte-Baume. Ce n'est pas leur tradition. Donc là, on a pris tous les usages compagnoniques qu'on a pu collectionner, on en a fait un énorme pâté, et ma foi, ça a l'air de bien fonctionner parce que régulièrement, je vois encore aujourd'hui des créations de sociétés paracompagnoniques. Ils s'en créent une tous les ans qui ne dure généralement pas plus de 10 ans. Et à chaque fois, c'est la collection complète de tout ce qu'on a pu glaner dans les livres sur le compagnonnage, mais sans chercher à y comprendre quoi que ce soit. Oui, c'est un véritable musée de la maçonnerie. Et par exemple, quand on nous explique que dans un rituel, on présente d'une certaine façon quatre équerres, ça fait bien sûr penser à la Worshipful Society, hein, d'où ça vient directement. Et pour ce qui est de l'histoire des idées de la maçonnerie, leur attachement à deux sociétés chrétiennes initiatiques, peut-être que ça dit quelque chose à de jeunes étudiants dans ces questions. Oui, tout à fait. Bon, on sent l'influence de René Guénon. Je passe la parole à mon collègue. Oui, l'allusion, la revendication plus exactement de paternité documentaire chez Louis Charbonneau-Lassel, l'archéologue et spécialiste d'emblématique chrétienne décédé en 1946, est tout aussi fallacieuse que les références ou pseudo-références compagnoniques que vient d'évoquer Jean-Michel Matonnière. Il se trouve que j'ai accès personnellement... J'ai travaillé sur Charbonneau-Lassel, j'ai accès à ses archives personnelles, son journal qui est inédit, différentes correspondances. Il n'y a pas une seule fois, la moindre allusion à quoi que ce soit de compagnonique ou à des rituels ou à des documents compagnoniques qu'il aurait communiqué à tel ou tel. Et il n'y a pas de rapport, en tout cas sous cette forme-là, entre les sociétés qu'il appelait lui-même hermético-mystiques et qui le sont restées pour la plupart, en tout cas hermétiques, à partir de 1929, et une forme quelconque de compagnonnage. Donc là aussi, c'est une référence qui est tout à fait mythique, qui court depuis 30 ans ou 40 ans dans tous les milieux français et quelquefois hors de France, intéressés à ce qu'on appelle, à la suite de René Guénon, l'ésotérisme chrétien. Et, mais c'est une légende, ça n'a aucune espèce de fondement documentaire. Et le seul fondement documentaire, c'est que quelqu'un qui a été en rapport avec Charbonneau-Lassel a eu des relations professionnelles avec une certaine association compagnonique lyonnaise après la guerre. Il s'agit de Georges Tamos, autrement dit Georges Thomas, collaborateur de la revue Études traditionnelles. Mais c'est une relation professionnelle et ça n'a absolument rien à voir avec une filiation initiatique quelconque. J'en profite d'ailleurs, si je le peux, pour poser au premier intervenant une question, à savoir que
sa communication est de grand intérêt, mais je ne l'ai pas entendu définir si peu que ce soit ce qu'il entend par initiatique, sauf si c'est par pure imitation du tropisme maçonnique, évidemment, en ce qui concerne les sociétés, donc des nobles jeux de l'arc, etc., etc. Qu'est-ce qu'on entend par initiatique dans ce cas et en quoi se manifeste cette qualification, sauf, encore une fois, si c'est uniquement pour dire que leurs rituels sont plus ou moins pompés sur ceux de la maçonnerie, ce qui paraît une espèce de maladie du siècle. Alors, les rituels n'étaient pas pompés, je vais essayer d'y revenir. Alors, effectivement, c'est une partie sur laquelle je suis allé un peu rapidement. On a été, notre temps de parole a été légèrement raccourci, donc j'ai fait des choix. Donc, j'en profite durant le temps de réponse pour pouvoir apporter les éléments là-dessus. Donc, ce que j'ai pu retrouver, c'est à partir du 15e, 16e siècle, nous avons dans les compagnies une apparition lors de l'entrée dans la société de forme de serment. Avec généralement une lecture par questions et réponses ésotériques, très clairement, voilà, qui donne une signification à l'ensemble des éléments. Enfin, tout est symbole, existait déjà au 15e, 16e siècle dans ces sociétés-là. On va attribuer une correspondance symbolique à la flèche avec le Saint-Esprit, avec le haut de l'arc, par exemple, avec le paradis, le bas de l'arc, avec l'enfer, etc., etc. Donc, vous avez véritablement déjà une partie très ésotérique qui existe déjà bien avant l'arrivée en France de la franc-maçonnerie. Ensuite, avec le temps, donc je l'ai dit, 1722, supposé 1722, un rituel extrêmement proto-maçonnique. La manière, c'est vrai que je ne l'ai pas dit exactement comment ça se passait, une réception. Alors, une réception, ça se passait comment? On rentrait dans le noble jeu, on faisait passer, a priori, une épreuve pas très loin de la butte de tir pour symboliser... de façon rituelique, de rattacher le récipiendaire au Christ qui se faisait prendre une flèche, les yeux bandés. Ce sont des choses qu'on peut retrouver déjà 18e siècle. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'après 1722, très clairement, avec l'arrivée de la maçonnerie en France, les rituels des chevaliers vont vraiment effectivement prendre une petite connotation maçonnique supplémentaire, mais il restera jusqu'à la Révolution extrêmement christique, plus compagnonique, très clairement. Ce sont quasiment des rituels compagnoniques. En un seul grade, c'est vraiment du monorite compagnonique. Voilà, c'est vraiment le cœur, et d'où, de mon point de vue, effectivement, un aspect très initiatique. Par contre, après la Révolution, très clairement, un changement, une bascule, où là, il y aura vraiment une maçonnisation des rituels. On enlèvera toutes les références christiques, enfin une maçonnisation en tout cas, enfin de l'époque. Voilà, c'est pour apporter quelques éléments effectivement là-dessus. Oui, si vous permettez, je voudrais enchaîner sur ce que notre dernier interlocuteur vient de dire. Pour moi-même avoir été reçu donc dans une compagnie d'arc, je peux dire que le rituel de réception est très très similaire à celui qu'on pratique dans les loges maçonniques, avec passage en cabinet de réflexion et bandeau. Et les sociétés d'arc actuelles ont une certaine ambiguïté, parce que tous les ans, par exemple, dans une compagnie d'arc, dans celle que je fréquentais, on faisait bénir les arcs. Donc il y a toujours une relation avec le catholicisme important, et plus tant que ça avec la franc-maçonnerie. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que dans la survivance des sociabilités du tir à l'arc, il existe tous les ans, donc dans le sud-ouest, dans la région de Toulouse, alors je ne sais pas si c'est Volvestre ou Rio Volvestre, une épreuve d'abat oiseau, telle qu'elle était pratiquée traditionnellement, c'est-à-dire avec une perche, comme certains documents nous l'ont montré. Et ce qui est particulier, c'est que cette performance, en quelque sorte, est ouverte à tous, à tous les gens de ce village, sans que pour autant, au long de l'année, il y ait une pratique du tir à l'arc.
C'est donc une subsistance ponctuelle, mais qui est vivace tous les ans. Alors, je vais rebondir là-dessus pour compléter. Ça existe également au Puy-en-Velay et dans d'autres villes de France où, effectivement, vous pouvez venir vous amuser à tirer au papegeait, que vous soyez ou non membre de la société qui organise la chose. Et cette chose existait également déjà au XVIIIe siècle, mais plus en Bretagne, où les participants pouvaient directement participer sans faire partie de la compagnie. Donc, c'est un cas breton particulier. Après, sur toute la frontière, et qui est à peu près le cœur de mon sujet, de ma thèse, par rapport à ce que je vous ai montré au niveau cartographie, là, il fallait vraiment être membre. Et si vous n'étiez pas membre, vous ne pouviez vraiment pas participer au tir. Et je vais compléter parce que le cœur, pour revenir sur mon intervention précédente, j'ai oublié de faire mention du cœur du rituel et ce qui défendait vraiment, véritablement à l'époque et ce que les chevaliers de l'arc continuent de défendre aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on appelle le secret de la chevalerie de l'arc. Il s'agit de faire le serment sur trois choses, le pain, le vin et le sel. Et la prestation de serment était faite dessus. Et ensuite, on buvait. Il y avait un mélange qui était fait entre le vin et le sel. Donc, tout ça sont des éléments compagnoniques très connus. Et ils le buvaient. Et il y a dans le jeu de questions à réponses au XVIIIe siècle, comment avez-vous été en gros, comment puis-je vous reconnaître comme chevalier de l'arc? Je n'ai jamais bu vin aussi salé. Voilà, en termes de questions et réponses. Voilà. Et là, on retrouverait véritablement des éléments compagnoniques. Jean-Michel pourra me contredire si je me trompe, mais je pense avoir un peu étudié les textes. Effectivement, voilà. Alors, les éléments compagnoniques, c'est notamment ceux qui sont exposés dans la fameuse dans le fameux jugement de la Sorbonne, puisqu'en 1666, quatre compagnonnages sont jugés en quelque sorte par les docteurs en Sorbonne, et ils sont jugés hérétiques, et on décrit les cérémonies, et c'est ces cérémonies qu'on décrit et qu'on retrouve effectivement dans les rituels des compagnies de l'arc, notamment dans celui qui avait été publié par Pierre-Yves Bourpère. Alors, et on le retrouve aussi pas que chez les compagnons, également chez les marins. Les marins à bord, lorsqu'ils notamment avaient à faire un serment à bord d'un bateau, un serment vraiment sur l'honneur, le faisaient également sur le pain, le vin et le sel. Donc c'était une forme de serment d'honneur à l'époque médiévale et qui s'est entretenu au fil des temps. Et on s'aperçoit d'ailleurs que les rituels ne sont pas forcément liés aux emblèmes de la communauté, c'est-à-dire que on peut être un compagnon charpentier et avoir un rituel où il n'y a rien à voir avec la charpente. On peut être un chevalier de l'arc et avoir un rituel où il n'y a rien à voir avec l'arc. Et en revanche, il y a une sorte de rituel initiatique dont ces textes que la Sorbonne nous révèle finalement forment une bonne matrice et qui sont utilisés par différentes communautés, les compagnons, les chevaliers de l'arc, les étudiants aussi. Il y a des sociétés d'étudiants, notamment allemandes, où on retrouve un peu la même chose. Donc c'est intéressant, nous qui avons l'idée que le rituel met en scène le symbolisme de la... En fait, pas tellement. Alors, sur l'influence des chevaliers de l'arc, quand même, sur la franc-maçonnerie, alors je dis toujours ça, mais peut-être que je dis une bêtise, donc je vais parler sous le contrôle de Thierry. Quand on fait une présentation des débuts de la franc-maçonnerie et qu'on fait visiter le musée, souvent on dit que ce lien entre les compagnies d'arc et les loges maçonniques a été très fort, très nombreux, parce qu'en fait, au début, on en a trouvé un ou deux, puis en fait, on en trouve partout maintenant, et que les compagnies d'arc ont laissé dans la maçonnerie française une épreuve qui est spécifique à la maçonnerie française, qu'on trouve que dans la maçonnerie française, qui est l'épreuve de la coupe d'amertume et qui est une sorte de transfert maçonnique de l'épreuve du vin salé. Alors, c'est toujours l'histoire de la poule et de l'œuf dont on a parlé tout à l'heure et la recherche des origines. Moi, je ne peux pas dire la chevalerie de l'arc a donné effectivement la coupe d'amertume à la maçonnerie. Ce que je peux dire, c'est que cette forme de coupe d'amertume existait chez les compagnons et les marins. Ça s'est retrouvé chez les chevaliers de l'arc et ça se retrouve en maçonnerie. C'est une question de transfert et peut-être qu'il y a 3000 ans, ça se pratiquait aussi. Je n'en ai absolument aucune idée. Mais voilà, il y a vraiment effectivement des héritages. Ce sont des formes d'héritage. Il y a quand même une suspicion que le rituel chevalier de l'arc soit plus ancien que le rituel maçonnique. Pour moi, oui, parce que... Il est dans le rituel proto-maçonnique de 1722. Oui, 1722, oui, ça veut dire que c'est antérieur à la maçonnerie. Tout à fait, oui. Oui, bonjour, merci pour tous ces propos intéressants. Il m'a été donné d'être invité aux funérailles d'un membre de compagnie d'archers. Alors, je ne suis pas initié à ces pratiques. Ça m'intéresserait de vous faire réagir sur quelque chose que j'ai entendu, si ça ne dévoile pas des secrets
terrible. À un moment donné, il me semble que les membres de la compagnie rendent son engagement à celui... Enfin, je comprends que celui qui est dans la compagnie a prêté serment et on lui rend son serment afin qu'il puisse partir tranquille. Est-ce que c'est quelque chose qui vous dit quelque chose? Est-ce que vous pourriez commenter ce passage-là? Tout à fait. Alors, c'est un rituel funéraire qui est toujours en pratique, effectivement, dans le milieu de la chevalerie de l'Arc, où le jour des funérailles, on va libérer du serment et aussi du secret le compagnon défunt en cassant généralement sa flèche en deux et en mettant la flèche dans le, enfin, en jetant la flèche dans le cercueil avant que ça soit effectivement, enfin, que le corps soit le cercueil soit recouvert, etc. Donc effectivement, c'est un rite funéraire qui est attesté au moins depuis le 19e siècle de mémoire. J'ai rien vu sur l'époque moderne. À l'époque moderne, on était plus sur, en tout cas 17e siècle, sur au moment de la mort. Donc un rituel funéraire où les compagnons devaient être tous présents lors des obsèques. Ils encadraient en grande tenue le cercueil pendant la messe jusqu'au moment où, enfin, au lieu où va reposer le corps. Et ils faisaient un défilé en été de deux lieues et en hiver de une lieue dans la ville pour honorer leurs membres décédés. Et ils allaient également récupérer le meilleur arc ou la meilleure arbalète ou la meilleure arquebuse chez la famille du défunt pour généralement pouvoir la revendre et récupérer de l'argent pour la compagnie ou la confrérie. Ça, ce sont des pratiques funéraires qui existaient à cette époque-là. Oui, j'ai eu une conversation il y a 25 ou 30 ans avec une dame qui se disait chevalier d'arc. Et je me souviens encore de cette conversation. D'abord, première question, est-ce qu'il y avait des femmes? Première chose. Deuxième question, c'est ce qu'il en est de ce qu'elle m'a raconté. Elle m'a dit, tout simple, elle semblait s'inscrire dans une vision christique ou chrétienne. Et elle m'a dit, en gros, il y avait dans le temps quatre lieux de pèlerinage, Jérusalem, Rome, le Mont-Saint-Michel et Saint-Jacques-de-Compostelle. Et de même que les Templiers protégeraient les pèlerins qui allaient à Jérusalem, les chevaliers d'arc étaient en charge de protéger ceux qui allaient à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et je crois que, premièrement, vous ne l'avez pas mentionné, donc je finis par douter. Et quand je regarde les cartes de France, ça ne semble pas correspondre. Encore que je me dis que le Puy-en-Velay, c'était un des point de départ pour les routes de Saint-Jacques. Alors, qu'en pensez? Alors, je vais évacuer assez rapidement la deuxième partie, effectivement. Pour moi, il s'agit d'une pure légende. Et tout comme il existe un ordre, on va dire, para-chevaleresco-archi... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Un ordre dit de Saint-Sébastien qui s'est créé, qui se veut être l'élite de la chevalerie de l'arc. Je vais exagérer un petit peu. S'il y en a ici, ils m'excuseront. Et cet ordre-là, effectivement, se veut protecteur des reliques de Saint-Sébastien, conservé à Soissons, qui aurait été donné et confié à leur garde. Mais voilà, j'ai interrogé le Saint-Siège pour avoir des données sur les archives là-dessus. Le Saint-Siège me confirme que, d'une part, l'ordre n'a jamais été reconnu et n'a jamais eu d'origine au IXe siècle, comme le prétend l'ordre actuel. Voilà, on est toujours sur des filiations anciennes qui, en fait, lorsqu'on gratte un peu, n'existent pas. Voilà, pour moi, effectivement, c'est pure fiction. Et sur la question des femmes, effectivement, j'ai oublié d'en parler. Donc, où est-ce qu'elles sont présentes? Elles sont présentes notamment lors des fêtes le dimanche. Alors, pas au XVIIe siècle, enfin, pas au XVIe, mais à partir du XVIIe, les frères qui se retrouvent, enfin, les confrères qui se retrouvaient entre eux commencent à faire, parce qu'ils s'amusaient le dimanche, et les femmes devaient s'embêter peut-être, enfin, je ne sais pas, c'est une supposition toute seule. En tout cas, on commence à les faire venir. Donc, les maris font venir leurs femmes et elles participent au banquet et restent lors des prix. Et lors des grands prix, des grands concours de tir, elles viennent très nombreuses. Ça, il y a beaucoup d'actes là-dessus, enfin d'écrits là-dessus. Elles viennent extrêmement nombreuses. Il y a aussi alors, des intérêts pour elles parce qu'elles rencontrent généralement la jeune notabilité bourgeoise d'une ville et ça permet
a priori, de faire des mariages intéressés derrière. Voilà, donc les femmes sont assez nombreuses. Et sur la pratique du tir, les cas que j'ai repérés au XVIIIe siècle, en fait, généralement, la plus grande personnalité locale ouvre le tir en tirant lui-même. Il est arrivé que la femme de ce personnage-là tire en second. Et les femmes ne sont pas plus mauvaises que les hommes au tir. Et il est arrivé que des femmes remportent, fassent un noir au milieu de la cible. Et les confrères se sont posé la question, alors qu'ils ne se l'étaient jamais posé avant, lorsque c'était un homme qui faisait un noir, même si c'était la grande dignité qui était là, ils se sont demandé pour les femmes, mince, que fait-on ? Doit-on classer ou non le coup d'une femme ? Voilà, ça, c'est des questions qu'on retrouve dans les procès-verbaux de tir. Et en l'occurrence, généralement, ils étaient courtois et chevaleresques jusqu'au bout, et ils acceptaient le tir. Et il y a même plusieurs femmes qui ont été reçues chevaliers de l'arc ou dames de l'arc, on trouve les deux significations, et dont une à Lyon qui est devenue colonel, c'était le grade sommital au sein de la compagnie. Voilà. Donc oui, les femmes étaient présentes, mais je n'ai pas vu de cas similaires aux loges d'adoption ou de compagnie qu'avec des femmes. Voilà. Alors, moi, je suis passionné là par l'ensemble d'archives sur ces compagnies anciens et acceptées, parce qu'on a vraiment un lot d'archives très complet sur cette invention d'une tradition. Et en même temps, pour l'éclairer, quand vous décrivez le profil du frère, et c'était très intéressant, il est un peu ce que les maçons anglais appellent stamps collecting, c'est-à-dire qu'il passe des grades, il était dans tous les systèmes de haut grade. Alors même si bien sûr on a dû lui dire c'est pas du tout la maçonnerie, quand même pour lui ça devait être une sorte de système de haut grade supplémentaire. Alors il faut dire que l'idée que le compagnonnage travaille un peu les maçons, c'est ancien. Et par exemple, nous au Grand Orient, nous avons ce cas qui avait été étudié avec l'ambassadeur du compagnonnage d'Albert Bernet, l'auteur de Joli cœur de Pouillastruc, et qui lui effectivement a fait des mélanges complets entre maçonnerie, compagnonnage, etc. Et puis pour une question un peu synthétique entre les deux sujets que je poserai à Thomas, les rituels traditionnels de chevalier de l'arc, ils sont effectivement dans une ambiance très religieuse, ce qui est tout à fait normal, comme tous les rituels traditionnels de sociabilité. Et alors, moi, j'étais tombé sur un petit lot d'archives et naturellement, à la fin du XIXe siècle, la question s'est posée parce que ces compagnies d'archers, c'était des compagnies populaires, de loisirs. Et naturellement, bah, dans une France coupée en deux entre les républicains et les cléricaux, comment s'est posée la question de ces rituels très religieux ? Et alors, je disais souvent, eh bien, c'est très curieux parce qu'en maçonnerie, on s'est écharpé autour de est-ce qu'il faut croire en Dieu, tout bien là. Et j'avais le sentiment que chez les chevaliers de l'arc, ça s'était fait de façon naturelle, que les choses s'étaient estompées. Et en fait, je crois que c'est moins simple que ça. Alors, c'est beaucoup moins simple. Alors, comment ça s'est passé dans les villes ? La plupart des villes ont compté, en fait, à un moment donné, après cette forme de laïcisation, enfin, de choc, on va dire, spirituel, les villes, en fait, ont souvent connu deux compagnies. La première compagnie qui était, on va dire, de tradition ancienne, enfin dans le sens spirituel, notamment au niveau de la pratique christique des rituels, etc. Et les deuxièmes compagnies qui en fait étaient généralement plutôt la compagnie laïque entre guillemets, enfin qui avait laïcisé ces rituels. Donc on a sur la fin du 19e siècle vraiment c'est une forme de dissidence au sein de chaque ville. Après, je n'ai pas eu le temps de l'étudier. Ça aurait pu être intéressant de voir si sur les grands tournois, les premières compagnies se retrouvaient plus entre elles ou non. Ça, j'ai jamais eu le temps de l'étudier. Tu m'y fais penser en fait avec cette question-là. Voilà. Et dans une France politique aussi divisée que la fin du 19e siècle, les premières compagnies, ce n'étaient pas juste des traditionnistes pour la chevalerie de l'arc. Il y avait forcément des connotations politiques. Oui, oui, oui. Donc, est-ce que... Et on a le cas, on a discuté avec nos amis belges au colloque de Crépy en Valois. En Belgique, pour ceux qui connaissent un peu, il y a la compagnie cléricale et la compagnie laïque. Alors, toute la question, c'est ce qu'admet la compagnie laïque. Parce qu'effectivement, comme les rituels traditionnels, il n'est question que de Saint-Sébastien, que du Christ, etc. Si on enlève ces aspects-là, il ne reste pas grand-chose à la fin. Et donc, les compagnies laïques traitent ça sur un ton plus symbolique et tout. Mais il y a vraiment un questionnement autour de ça qui est tout à fait passionnant. Oui, tout à fait. Enfin, là, j'ai rien à ajouter. Any more questions? euh,
Alors, c'est une question un petit peu dérivative que je vais poser, mais je m'intéresse aussi à l'Extrême-Orient. Et il y a en Extrême-Orient un art chevaleresque du tir à l'arc qui s'appelle le Kyodo. Et dans cet art chevaleresque du tir à l'arc donc japonais, tout est ritualisé, c'est-à-dire l'arc, la flèche, la bille, la gestuelle, la cible, etc., dans une ritualisation de telle façon qu'il y a un but spirituel, etc., qui est peut-être moins, j'allais dire, qui n'est pas christique, mais qui est un peu plus animiste ou panthéiste. Donc, je voudrais savoir si l'intervenant a fait s'y intéresser, par exemple, dans sa recherche, et si il a vu des passerelles, des liens de comparaison, qui pourraient être intéressants dans les deux sens. Merci. Alors, le kudo, je l'ai pratiqué, donc je peux en parler un petit peu, est plutôt de la tendance shintoïste. Je n'ai pas vu de connotation symboliste dans le sens ésotérique où on va attribuer forcément une valeur symbolique à des éléments, l'arc, etc. Par contre, effectivement, il y a une véritable dimension chevaleresque et spirituelle qui est indubitable, c'est clair. Alors, je ne m'y suis pas vraiment intéressé dans le cadre de ma thèse parce que je m'intéresse au Royaume de France et à cette époque-là, il n'y avait pas de lien direct, a priori, en tout cas avec le Japon, etc. Et d'ailleurs, on voit que sur les représentations, les chinoiseries à l'époque moderne, quand on représentait des archers, on les représentait avec des arcs occidentaux, alors qu'il aurait fallu les représenter comme les arcs japonais qui n'ont absolument, en termes de l'allure, aucun rapport avec les arcs occidentaux. Je rajouterais effectivement cette culture chevaleresco-archère, si je peux dire ça comme ça, se retrouve pas qu'au Japon, on la retrouve aussi dans les pays arabes où il y a eu pareil, des pratiques comme ça. Ça se retrouve aussi, en fait, les sociétés fraternelles que j'étudie, Pierre en a parlé rapidement, elles se retrouvent en Belgique, elles se retrouvent aux Pays-Bas, en Croatie, aussi bien à l'époque moderne qu'à l'époque contemporaine. C'est vraiment une forme de sociabilité, comme les loges maçonniques, qui ont existé depuis plus longtemps que les loges maçonniques et qui perdurent encore de nos jours sans aucune difficulté. Sauf qu'en France, la particularité de la France, c'est que, par rapport à l'Europe, j'entends, a priori, il n'y a que les Français qui continuent à pratiquer des rituels initiatiques, ésotériques, etc. Dans les autres pays, de ce que j'en sais, par rapport à ce qu'on m'en a dit aussi, parce que des fois, lever le voile du secret n'est pas toujours évident avec certains. A priori, il n'y a qu'en France où ces pratiques se font. Alors, je fais une petite parenthèse justement sur ce respect du secret. Il faut savoir que, par exemple, Pierre-Yves Beaurepaire, lorsqu'il a sorti son livre avec en annexe les rituels de Chevalier de l'Arc, il s'est fait, entre guillemets, fusiller par la communauté des archers, parce qu'il s'est permis de publier le secret de la chevalerie de l'arc. On lui a encore rappelé l'autre jour à Crépier en Valois, où ça les a énormément perturbés. Et moi, je m'amuse à leur rappeler que s'il n'y avait pas des chercheurs qui cherchaient ces textes-là, voilà, moi, avec ma thèse, j'ai réussi à identifier une bonne demi-douzaine de rituels époque XVIIIe siècle. Lorsqu'ils seront publiés en annexe, alors peut-être pas de façon publique, parce que on m'a fait comprendre, j'appartiens moi-même à cette communauté-là, que je pouvais avoir des problèmes, entre guillemets. Enfin, je ne crains pas la mort jusque-là. Mais voilà, tout en gardant une espèce de confidentialité, de discrétion, en tout cas, il faut, moi j'essaie de rappeler cette communauté-là que c'est important de continuer à chercher dans les sources et à publier à minima, parce que même eux en fait découvrent leur rituel, dont d'ailleurs aujourd'hui beaucoup d'archers, de mon point de vue, ne comprennent mais alors absolument pas du tout le sens profond d'un certain nombre de symboles qui sont encore sous leurs yeux. Oui, moi. Oui, moi j'avais été étonné par la virulence des critiques contre Pierre-Yves Beaurepaire au colloque de Crépy en Valois. Certains intervenants étaient pas loin d'être menaçants. Enfin, manifestement, c'est quelque chose qui a eu lieu il y a 20 ans ou il y a 15 ans, mais il y en a qui lui en voulaient encore beaucoup. Juste un mot sur ces sociabilités qui ne sont pas la maçonnerie, mais qui ressemblent beaucoup. Il y a bien sûr les fendeurs, il y a les charbonniers dans des milieux plus populaires, mais les fendeurs sont un cas intéressant puisqu'ils vont être transformés en grades maçonniques. Et donc, c'est pas juste on emprunte quelques éléments des épreuves, c'est vraiment le rituel de fendeur qui est importé assez tôt au XVIIIe siècle, semble-t-il,
comme une sorte de quatrième grade qu'on va trouver dans un certain nombre de milieux maçonniques. So sadly, we are running out of time. Now we have to go for a lunch break, and I would like to thank Thomas Fressin for his work, Francis Delon, Yonel Guernauty. Thank you very much for your interesting papers, and that's the good thing of one of these conferences. You have works, you have articles, and the questions part in itself, it's another talk. It's almost like our papers are conversation starters, and that's really joyful. And thank you very much, and I see you in the afternoon part of the meeting.